Il est à peine 19h30. Le spectacle n'a pas encore commencé, mais les amoureux de jazz sont déjà là. Curieux de voir le concert qui ouvre le bal. Cette année, il y aura un temps jazz pour tous les goûts, avec de grosses têtes d'affiche. On aura une édition qui sera une édition anniversaire et qui présentera des têtes d'affiche très intéressantes de par l'événement. Et donc à cette occasion, nous aurons la chance d'avoir parmi nous le vendredi et le samedi deux grandes stars du jazz mondial avec Cécile Salvant-McLaurin pour le vendredi et Bouika pour le samedi. Mais pour ce soir, en particulier en collaboration avec l'ambassade italienne, nous aurons l'occasion de faire connaissance avec l'un des plus grands groupes manouche italien. Le premier concert, c'est celui de Dario Pinelli, un guitariste italien hors pair, mais aussi un grand showman. Ce soir, il est bien entouré, son groupe, mais aussi un invité de marque, Binario Swing. La collaboration a commencé en 2010 et elle marche plutôt bien. Ensemble, ils revisitent les standards du jazz manouche. Ce jazz gitan qui se distingue par un jeu de guitare très particulier. Qui c'est un mélange du jazz manouche, de musique acoustique et de pop. De pop et aussi d'électro swing. Avec notre Théo, qui c'est la mascotte du groupe. Pinelli a sorti un premier titre One by One. Il a eu un record de vues sur Internet, certainement grâce à son style un peu décalé, qui a beaucoup plu au public du temps jazz. C'était une musique jazz. Musique jazz. Ce qu'on entend, c'était de la musique jazz. Mais l'ambiance, le groupe était super, tout était très très bien, on a bien aimé. C'est ma première fois au temps jazz, l'ambiance était bonne, j'ai adoré. Magnifique vraiment. Une grande partie du temps jazz se déroule dans les scènes du palais des institutions. C'est aussi un festival qui va vers les Tangérois, au programme des animations et des spectacles dans les rues.